bel endroit pour des randonnées ici. Monsieur, je suis perdu. Mais c'est normal, on est à Saint-Perdoux. Je vous ramène au village ? Allez. Là, c'est beau, là. Si tu veux, je peux te proposer un détour pour découvrir l'histoire des mines. Allez. Allez, on va voir ça. Là ? C'est là. Qu'est-ce que c'est, là ? C'est le sentier des mines de Saint-Perdoux. Ah. Toute l'histoire est racontée, là. Il y en a pour 2 km. 2-3 km. Pas trop dur, c'est. Pas trop dur. Charbon de bois. On est dans la châtaignerie, ils avaient beaucoup de bois, ils faisaient une construction sommaire et ils faisaient ici non pas brûler mais un peu couffir du châtaignier, ça fabriquait du charbon de bois utile pour l'industrie ou pour l'artisanat. Et il y en avait plein dans la forêt, celui-là est conservé. On dirait le bouclier d'un chef gaulois. Exactement, il devait y l'avoir ici. Je vais monter dessus. Voilà, là on a des photos des anciennes mines de Saint-Perdoux avec des entrées de galeries et tout un panneau qui nous explique l'histoire de Milou. Milou qui nous explique comment est-ce qu'il travaillait dans les mines à l'époque, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et les photos qu'on a là, eh ben, elles ont été prises sur place. On a la galerie qui est un peu plus loin. Et si on a l'œil, on voit à l'intérieur les anciennes boiseries en châtaignier qui soutiennent la voûte de la mine notamment. Évidemment, c'est très dangereux, donc elles sont fermées au public. Ça, c'est un treuil de mine qui était placé en face de la galerie. Et grâce à un câble, une fois qu'il était actionné, il permettait aux wagons de la mine de ressortir la houille, le charbon, qui était extrait dans les mines de Saint-Perdoux. Là, c'est les vestiges des mines, les anciens wagonnets notamment. Oh.
Et du coup, c'est une église qui est classée, enfin, qui est inscrite, pardon, monument historique, des époques romanes, avec des chapiteaux là, sur la porte et à l'intérieur. Allez, à bientôt! À bientôt, salut, merci, à ton jamais. Avec ciao. Plaisir!